Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online et là vous vous posez une simple question: mais Virtuose, où est-ce que tu es? Eh bien les amis, je suis tout simplement dans le casino, donc le casino qui se trouve, je vais vous montrer sur la carte, donc vous voyez bien que je suis carrément dans le casino. Et tout simplement c'est une petite vidéo info, donc tout ça pour vous dire que je suis dans le casino, mais bon c'est pas très important. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que ce casino n'est tout simplement pas modélisé, il n'y a absolument rien. Donc Rockstar a bien mis devant le casino coming soon, donc ouvert très prochainement peut-être. Mais vous voyez bien comme moi sur l'écran, il n'y a absolument rien de modélisé. Ce n'est que du vent, ce n'est que du vide, rien n'est modélisé. Dans ce casino, il n'y a absolument rien, donc je ne sais pas si ça va venir sur les prochaines mises à jour ou non, mais pour le moment, vous voyez bien que je wallbrush un peu tout, que ce soit les fauteuils qui se trouvent juste ici, jusqu'à même le sol, hein, je suis en train de wallbrush le sol, il n'y a aucun souci, mais il n'y a absolument rien de modélisé. Alors, casino fake ou pas fake, je ne sais pas, donc je mettrai dans le titre de la vidéo, après à vous de donner vos opinions, mais pour moi, pour le moment, je suis assez perplexe sur le sujet, étant donné que rien n'est modélisé à l'intérieur. C'est vraiment que du vent, donc c'est pour cela que Rockstar avait mis des vitres vertes, hein, pour pas qu'on ne voit à l'intérieur. C'est vraiment très très bizarre. Je remercie Tuto Facile France de m'avoir aidé à trouver le wallbrush pour pouvoir rentrer dans ce casino. Donc là, fake ou pas fake, je veux vous demander... tout simplement de mettre vos avis dans l'espace commentaire. On peut vraiment pas aller plus loin, hein, donc vous voyez bien que c'est vraiment le vide total. Il n'y a absolument rien de structuré, rien de modélisé, ce n'est que du vent. Donc là il y a un mur invisible, il y a que dalle, on peut pas aller plus loin. C'est vraiment un peu la merde, il n'y a absolument rien. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Personnellement moi, comme je l'ai dit, je suis vraiment très perplexe. Je vais voir un peu ce que ça donne sur les futures mises à jour. Mais pour le moment je pense que c'est vraiment très important de vous montrer un peu l'intérieur donc du casino, pour vous dire tout simplement que ça n'arrivera pas pour les prochaines mises à jour et qu'il va falloir patienter encore un peu, parce que comme vous le voyez actuellement sur l'écran, ce n'est pas modélisé du tout. Donc c'est vraiment rien, il n'y a que dalle à l'intérieur, c'est vraiment que de la pâte à modeler. Je peux passer à travers comme bon me semble. Du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez, lâchez vos avis dans l'espace commentaire. Et du coup voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ces infos vous auront plu, partagez-les sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent connaître la vérité sur ce fameux casino. Donnez vos avis dans l'espace commentaire si vous pensez que c'est un fake ou non, malgré qu'il y ait écrit coming soon tout simplement devant le casino, donc je ne sais pas. Et comme vous le voyez, moi j'étais à l'intérieur et là c'est tout simplement des vitres où tu ne peux... vous ne pouvez pas voir à l'intérieur, et c'est tout simplement parce que ce n'est pas modélisé, il n'y a absolument rien. Donc comme je l'ai dit, partagez-la sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent tout simplement voir ce qui les attend dans le casino. Moi je vous retrouve dans deux prochaines vidéos, lâchez un petit like si ça vous a plu et du coup abonnez-vous si c'est pas déjà fait, moi ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve dans deux prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez ciao bébé tout le monde.